Yo tout le monde! Ça faisait quand même hyper longtemps qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui soit relié à la politique. Alors allons-y tout de suite. On va parler de la Maison Blanche à Washington DC. Où là, comme la tour Eiffel précédemment, eh bien c'est une construction antique de 1792, je le rappelle. Et construction antique qui dit également, avec les cafards et les souris, hyper fragile. Et ici, ça n'a pas échappé à la Maison Blanche, où là, il y a eu des petits trous. Bon, en vrai, c'est juste que je suis un peu de mauvaise foi. Il y a eu des crevasses avant dans la ville de Washington, quelque part dans Washington. Et alors, mais qu'est-ce qu'ils attendent, le maire, pour mettre le paquet de fric dessus? Attends, Trump, c'est un putain de milliardaire, alors qu'est-ce qu'il fout avant que Washington DC, eh ben, il s'explose et tout, là, avec des explosions, des mecs qui meurent et tout. Bon, allons voir une autre politique meilleure que Trump, parce que là... Allons maintenant en Irlande, où là, tous les Irlandais qui habitent au Japon, en Corée du Nord, au Sahara, au Pôle Sud, enfin bref, quel qu'il soit, eh bien, ils vont tous en ce moment en Irlande. Non pas parce qu'il y a une invasion extraterrestre super explosante et tout, et qui explose avec des morts et tout. Non, c'est juste parce que ils veulent juste voter pour annuler le 8e amendement sur le droit à l'avortement. Quand on veut voter pour sa patrie, j'ai envie de dire, on y va. C'est tout ce que j'ai à dire. Rendez-vous la semaine prochaine, non même pas la semaine prochaine, dans X semaines encore, une fois, pour pouvoir me revoir dans une posture assez humoristique.